Alors ici on va voir une deuxième façon d'inverser une matrice par exemple de taille 3-3, c'est ce qu'on appelle le pivot de Gauss ou l'élimination de Gauss-Jordan. Donc c'est une deuxième méthode qui est aussi importante de connaître puisqu'elle est, elle est assez facile à utiliser. Encore une fois ici bah, je vais présenter la technique puisque c'est quelque chose de relativement facile à effectuer et la véritable démonstration mathématique, bah, ça c'est quelque chose qui viendra un peu après. Pour l'instant ce qui compte c'est de savoir s'en servir. Alors c'est parti, donc on a notre matrice ici, de taille 3-3, et on va commencer par créer la matrice augmentée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette matrice augmentée Je vais faire un trait de séparation verticale et en fait, je vais simplement dessiner de l'autre côté la matrice identité de même taille, donc la matrice identité ici de taille 3. Donc, voilà notre matrice augmentée. Et donc ce qu'on va faire dessus et donc ce qu'on va faire ici c'est un certain nombre d'opérations élémentaires sur les lignes et à chaque fois qu'on va effectuer une opération pour modifier la matrice de gauche, eh bien on va faire exactement la même opération pour modifier celle de droite. Et lorsque après avoir effectué ces opérations, on va pouvoir obtenir la matrice identité à gauche, et eh bien la matrice qui aura subi les mêmes transformations à droite sera elle bien la matrice inverse qu'on cherche à trouver. Et donc pour employer le jargon, hein, lorsqu'on lorsqu effectue cette méthode dite du pivot de Gauss sur une matrice, eh bien dans ce cas là on dit que le résultat correspond à la forme échelonnée réduite. Donc ici les opérations élémentaires qu'on va faire sur les lignes, ça va être par exemple multiplier par un nombre, ça va être par exemple ajuster ou soustraire, faire des combinaisons linéaires des lignes, de cette matrice et donc, et donc là tu vois apparaître l'analogie avec les systèmes d'équations linéaires puisque par exemple pour résoudre un système on va dire de deux équations à deux inconnues eh bien on peut faire une combinaison linéaire des deux équations pour trouver les inconnues qui nous intéressent ici c'est un peu la même chose donc on va pouvoir multiplier chaque ligne par un nombre additionner ou soustraire les lignes entre elles et autre opération élémentaire importante qu'on peut faire aussi eh bien c'est échanger deux lignes entre elles et à chaque fois on va faire la même opération sur la matrice identité sachant que le but c'est bien sûr d'obtenir la matrice identité à gauche ici c'est à dire d'obtenir que des 1 sur la diagonale et donc lorsqu'on applique le pivot de Gauss c'est à dire cette technique que je viens de décrire sur une matrice et eh bien on, a, on obtient sa forme dite échelonnée réduite alors pour que tout ça soit un peu plus concret ben on va commencer directement et puis tu vas voir et comprendre un peu mieux au fur et à mesure cette méthode du pivot de Gauss alors ce que je vais faire ici pour me rapprocher de l'identité, bah, je vais déjà essayer de supprimer ce 1 ici en bas à gauche, puisque dans une matrice identité, on aurait un 0 ici. Donc je ne vais pas changer les deux premières lignes, donc on garde 1, 0, 1, 0, 2, 1. De la même façon, on ne change pas les premières lignes sur la matrice identité. Par contre, sur cette dernière ligne, je vais par exemple faire ligne 3 moins ligne 1. Ça va nous faire apparaître un 0 ici, puisqu'on a 1 moins 1. Ici, on a 1 moins 0, ça fait toujours 1. Et ici, on a 1 moins 1, ça fait 0. Donc bien sûr, je dois appliquer exactement la même opération sur la matrice identité à droite. Donc je vais faire dernière ligne moins première ligne. Ça me donne moins 1, 0, 1. Alors je vais réécrire ici, pour passer de la première à la deuxième matrice, on a fait tout simplement la ligne 3 est égale à la ligne 3, Moins la ligne 1. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Donc, étape suivante, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ben, On voit que ici, cette ligne 0, 1, 0, ça correspond à la ligne du milieu d'une matrice identité. Donc, on va tout simplement échanger nos lignes 2 et ligne 3. Donc, on va faire l'opération qui nous dit ligne 2 égale ligne 3 et ligne 3 égale ligne 2. Donc la première ligne reste inchangée, 1, 0, 1, pareil ici, 1, 0, 0. Ensuite on change la deuxième et la troisième ligne, donc ça va nous donner 0, 1, 0, 0, 2, 1, et ici on change ici aussi, donc moins 1, 0, 1, 0, 1, 0. Alors on continue pour toujours se rapprocher plus de cette matrice identité à gauche. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire encore comme opération ben, J'aimerais bien faire disparaître ce 2 pour me rapprocher de la matrice identité. Donc je vais par exemple faire euh, L3, la troisième ligne qui est égale à, on va dire, euh, L3 moins 2L2. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne Première ligne, on n'a toujours rien touché. 1, 0, 1. 1, 0, 0. Deuxième ligne, on n'a rien touché. 0, 1, 0. Moins 1, 0, 1. Et enfin, troisième ligne. Donc, on lui soustrait deux fois la deuxième ligne. Donc, ici, ça fait 0 moins 2 fois 0, 0. 2 moins 2 fois 1, 2. Donc, 2 moins 2, 0. Et enfin, ici, 1 moins 2 fois 0, ça fait toujours 1. Pareil, même opération sur l'ex matrice identité ici. Donc on a 0 moins 2 fois moins 1, donc ça fait 2. Ici on a 1 moins 2 fois 0, ça fait toujours 1. Et enfin ici on a 0 moins 2 fois 1, donc ça nous donne moins 2. Alors on va continuer en haut ici. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme opération Ici, on voit qu'on est très proche de la matrice identité. Il nous reste un 1 à enlever ici. Je vais par exemple faire L1 égale L1 moins L3. Donc, je continue avec la couleur verte. Si j'enlève la ligne 3 à la ligne 1, ça me fait 1 moins 0, 1, 0 moins 0, 0, et 1 1, 0. Ici, je n'ai pas touché les autres lignes, donc on les laisse à l'identique. Et donc ici, il faut faire la même opération sur l'ex-matrice identité. Donc j'ai 1 moins 2, ça fait moins 1. Ensuite j'ai 0 moins 1, ça fait moins 1. Et 0 moins moins 2, ça fait 2. Puis les deux autres lignes ne sont pas modifiées. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait ici Eh bien on a obtenu la matrice identité à gauche grâce à cette méthode du pivot de Gauss. Et donc si cette matrice s'appelait BrandA, et eh bien ici ce qu'on a obtenu, c'est l'inverse, c'est-à-dire A-1. -1. Alors tu peux vérifier avec la vidéo précédente, hein, on, obtient, on avait commencé avec la même matrice, on obtient bien sûr la même inverse, la même matrice inverse. Et au final, ce n'est pas beaucoup plus long, c'est voire même un peu plus simple, cette histoire de pivot de Gauss. En fait, ça nous a pris un peu moins de temps d'effectuer ces calculs qui sont relativement simples pour obtenir cette matrice inverse. Donc en fait, ici, toutes les opérations qu'on a fait progressivement sur les matrices, eh bien, ça peut, chaque opération peut être représentée par une multiplication matricielle. Et chacune de ces multiplications matricielles se fait avec ce qu'on appelle des matrices d'élimination. Donc ici, par exemple, on est passé de ce premier cas au deuxième cas eh bien en éliminant l'élément en bas à gauche donc l'élément de coordonnées 3 et 1 troisième ligne première colonne donc c'est comme si on avait multiplié par la matrice d'élimination 3, 1 ensuite ici qu'est-ce qu'on a fait pour passer de là à là on a changé la ligne 2 avec la ligne 3 donc on pourrait l'appeler par exemple la matrice C pour changer 2, 3 ensuite pour passer d'ici à là on a éliminer le 2 sur la troisième ligne, donc on pourrait appeler cette opération avec cette matrice E3 2, donc troisième ligne, deuxième colonne, on a éliminé cet élément. Et enfin dernière opération qu'on a fait ici, Et bien on a fait L1 moins L3, donc on a fait une multiplication avec une matrice d'élimination qu'on peut appeler E1 3, donc première ligne, troisième colonne, on a supprimé cet élément. Donc l'important ici de bien retenir c'est que chaque opération qu'on a effectuée peut être représentée par une multiplication matricielle, et que l'ensemble de ces multiplications matricielles appliquées à A, et bien ça nous a donné la matrice identité. Donc l'ensemble des produits de ces matrices d'élimination, c'est tout simplement l'inverse de A, puisque ce qu'on a bien fait, c'est A-1 fois A qui est égal à l'identité. Pour la partie de droite, et bien, on a tout simplement multiplier A-1, donc l'ensemble des matrices d'élimination par l'identité, ce qui nous a bien sûr donné A-1. Voilà, donc ça c'était pour illustrer un peu ce qu'on a fait. c'est pas la peine de se compliquer trop la vie non plus, ce qui est important c'est de bien comprendre cette méthode du pivot de Gauss, qui est au final un peu plus simple que la méthode qu'on a vue avant avec la comatrice. Donc si déjà tu arrives à bien retenir cette technique et que tu sais inverser une matrice de taille 3-3, et bien je te dis bravo